voguant autour des îles de la mer Caraïbe. Les tam-tams vaudous firent se lever les vents, découvrant des récifs ou des corvettes anglaises. Gisaient depuis longtemps dans leurs manteaux de glaise. J'y oublie le nom de cette île perdue, où les courants rapides poussèrent mon bateau noir. Je l'entends rechercher une terre inconnue, planquée au fond des eaux de la mer. Caraïbe. Mer. Tu vas sans Salvador, va voir la femme. C'est lire dans les yeux du sang, aussi dans les flammes. Elle te dira des mots très forts, comme les tambours qui dansent sur la terre des morts, juste avant le jour. Aux lisières des forêts du côté de Belém, vivait un déserteur légionnaire français. Il tenait un comptoir et vendait des FM, des vivres, des camions, des femmes, du napalm. Il vivait là tout seul, bouffé de fièvre par l'équateur. La confiance n'était pas son fort, tout se payait d'avance. Sa conscience était dans un port chez une femme, en France. Il vivait comme un tigre traqué, tendu et relax. Ne parlait jamais du passé, même complètement schlaff. Mais tu vas sans Salvador, va voir la femme qui sait lire dans les yeux du sort, aussi dans les flammes. Elle te dira des mots très forts, comme les tambours qui dansent sur la terre des morts, juste avant le jour. Enveloppé de chlorophylle et de soleil, le sable blanc des grandes îles verse le sommeil. Les secrets planqués dans des cases ou des goûts truqués. La nuit tombe comme un couteau sur un condamné. Ce n'est rien des précédents pour toi qui m'écoutes. Mon aventure est dans le vent et dans les écoutes. Le temps n'éponge pas le sang et la terre noire. Porte le deuil des innocents, mais pour leur mémoire. Si tu vas sans Salvador, va voir la femme qui sait lire dans les yeux du sang, aussi dans les flammes. Elle te dira des mots très forts, comme les tambours qui dansent sur la terre des morts, juste avant le jour.
quand on reste pas dans son trou de la vie à la mort. On prend des rides et puis des coups, aussi des remords. Petite fille d'Abaïr, tournée vers le large, attends encore une autre fois, je suis dans la marge. Je cherche toujours l'île perdue dans la Caraïbe, entre la mort et l'inconnu, faible comme une cible. Si tu vas à San Salvador, va voir la femme. C'est lire dans les yeux du sort, aussi dans les flammes. Elle te dira des mots très forts, comme les tambours qui dansent sur la terre des morts, juste avant le jour. Dominique Mahut aux percussions. Bernard Lavilliers, c'est gentil de nous avoir tout de suite emmené en voyage. Bah, c'est un voyage assez ouvert, c'est part sur le rêve, la musique, San Salvador, des histoires un peu étranges qui se passent dans la jungle. On ne sait pas exactement de quoi je parle. Avec une sorcière un peu, une voyante. Cette voyante, ouais. C'était la grande prêtresse vaudou de l'époque que j'ai connue. C'était une femme noire de Bahia qui s'appelait Clementina de Jesus et qui était Mãe dos Anjos, qui était mère des saints, qui présidait donc son terril et sa macumba, et qui était en même temps une chanteuse extrêmement connue de chansons d'esclaves, c'est-à-dire tout début de la chanson bahianaise, où c'était, comme c'est l'endroit le plus noir du Brésil, c'était elle qui chantait les chansons des esclaves en africain nigérian, puisqu'ils venaient de là, eux. Alors, je dois dire que moi, je me réjouis vraiment qu'on passe tout ce moment ensemble. Ça faisait en fait très très longtemps que j'avais envie qu'on se rencontre, parce que si je peux en un mot dire, me parler très très 30 secondes de moi-même, je vous connais en fait depuis très longtemps. Je vous ai entendu la première fois, je sais pas, je devais avoir 25 ans, et vous aussi, vous chantiez au Discophage. C'était exactement, une boîte brésilienne, rue des Écoles, assez formidable. D'ailleurs, il y avait des chanteurs merveilleux, il y avait le groupe qui avait les étoiles, il y avait tout ça. Et puis ensuite, je vous ai entendu à la fête, vous étiez un peu un chanteur engagé aussi à l'époque. Vous aviez chanté pour Politique Hebdo, par exemple, ou pour des journaux comme Libération. Ah, vous souvenez de ça, Politique Hebdo? Oui, je me rappelle bien. J'ai chanté pour eux. Oui. Voilà, bah, j'étais là. Extrême gauche, oui. Ah, bah, oui, vous savez. À l'époque. Oui. Vous savez ce que c'est. Oui, et puis voilà. Et puis par la suite, évidemment, vous avez fait toute cette carrière qu'on connaît, parce que je crois qu'on ne vous présente pas. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné vraiment dans votre chanson, dans votre art, on peut dire, c'est d'abord effectivement une personnalité qui d'emblée était évidente, c'est-à-dire d'emblée quand on vous entendait, on remarquait ce caractère effectivement félin, cette espèce de violence, d'engagement, et aussi de goût des rythmes, parce que ça c'est ce qui nous manque souvent dans la chanson française, c'est ce travail effectivement sur les rythmes, et ça les rythmes vous en êtes devenu un maître, et on va l'entendre aujourd'hui, puis vous avez ce merveilleux percussionniste avec vous, et ces rythmes aussi vous êtes allé les travailler, les entendre ou les aimer un peu dans tous les pays du monde, mais surtout les pays on dirait latino, c'est-à-dire Brésil, Amérique du Sud, là c'était San Salvador, les Caraïbes aussi. Alors on va parler de tous ces voyages. Alors il y a cela, il y a les rythmes, il y a aussi la beauté toujours du jeu des instruments. Les instrumentistes qui sont avec vous sont toujours merveilleux. Et puis vous-même jouez de guitare, d'ailleurs plusieurs guitares là. Plusieurs sortes, oui. Voilà, puis vous avez beaucoup d'admiration évidemment pour certains grands guitaristes, et ça on en parlera. Alors il y a cela, il y a vos textes aussi.
Vous êtes un des chanteurs quand même, on a vraiment envie d'entendre ce que vous dites. Et ça, tout à l'heure, vous parlerez peut-être de ceux qui vous ont influencé, de poètes comme que sais-je, Sandrars, Aragon ou même Léo Ferré. Mais disons que vous ne faites jamais une chanson simplement pour faire un air ou pour faire quelque chose. Ah non, ce n'est pas gratuit. Non. Voilà, ce n'est pas trop gratuit. Et puis, il y a mille autres choses. Mais ce que je trouvais surtout intéressant, parce qu'ici nous sommes évidemment à France Musique, c'est pas seulement que vous aimez la musique classique. J'avais entendu une interview où une fois vous parliez vraiment bien, donc j'avais envie que vous nous parliez aussi de choses que vous aimez. On en parlera de Debussy, de Bartok, de Satie et de quelques autres. Mais surtout parce que votre travail de chanteur est quand même un exercice toujours sur le rapport entre le sens et la musique, entre le chant. Est-ce qu'il veut dire comment faire passer un texte, comment faire passer en gros un message, même si l'expression chanteur un message est toujours un petit peu absurde. Il n'empêche que vous avez toujours envie de dire des choses. Plus que ça, vous êtes une sorte de grand reporter. Alors effectivement, un peu à la Sandrars, c'est-à-dire que beaucoup de vos chansons, vous les avez faites après des voyages, et elles racontent des choses, elles racontent des histoires, elles racontent des histoires d'hommes, des histoires souvent terribles, dans des pays effectivement souvent terribles, mais comme ce film, par exemple, que vous avez fait, qu'on a pu voir à la télévision récemment, pour on parlera aussi pour l'émission Envoyé spécial sur l'ex-Congo, et on a le sentiment que quand vous allez quelque part, vous allez voir vraiment les hommes, vous allez voir les gens, et que vous en revenez avec avec l'envie de dire des choses. Donc vous êtes en quelque sorte une sorte de grand reporter de la musique aussi. Vous voyez, ça fait beaucoup de raisons, quoi. Oui, je suis plutôt un témoin qu'un spectateur, c'est-à-dire. Ouais. Donc effectivement, le reporter, lui, il rapporte, c'est son métier. Il rapporte ce qu'il a vu et entendu. Alors, comme un reporter, c'est pas forcément un musicien. Il se trouve que moi, j'y ajoute la musique, la poésie. Mais finalement, je fais un boulot reporter, c'est-à-dire je rapporte ce que j'ai vu, entendu, senti, deviner même ce que je n'ai pas vu. Je rapporte peut-être même des choses que je n'ai pas vues, mais qui sont sans doute là autour. Je ne rapporte pas que la réalité, je pense que je rapporte d'autres choses qui ne sont pas que la réalité, parce que vous savez, ça sera un peu plat que la réalité, même si des fois elle dépasse la fiction. J'aime bien rapporter aussi des choses que je n'ai pas vues et que j'imagine bien qui se passent. Un peu comme cette musique, si vous voulez. Si on veut partir de Salvador, ouais. On va remonter, on va faire 3000 kilomètres, hein, 2500 kilomètres, on va remonter au Pernambouc, à Recife, à Fortaleza, parce que au Brésil, les gens, souvent, n'ont qu'une connaissance approximative. Ils connaissent la samba, bon, tout le monde la connaît, la bossa nova, moins la musique de Bahia qui s'appelle le baillon, qui est déjà une forme de tempo assez caraïbe, hein, qui est plus près de la Caraïbe que la samba. Et puis si on remonte tout à coup 2000 km plus haut, on tombe sur une musique qui n'a rien à voir du tout avec la musique afro-brésilienne, on appelait ça comme ça. Bossa Nova, qui est une musique, disons, mélangée au jazz, avec des mélodies complexes, des harmonies dissonantes, qui est une chanson populaire, mais n'oublions pas, avec des harmonies complètement dissonantes, qui explique que le Brésilien est un homme, enfin le peuple, sont des gens très musiciens, très artistes, pour pouvoir faire des succès avec des musiques aussi dissonantes. C'est quand même la seule fois de ma vie que j'ai entendu des succès qui étaient des standards de jazz incroyables. Alors, et puis avec des textes aussi géniaux. Bah, oui, et puis magnifiques, on écoutera un ouais, après. Bien sûr. Mais là, si je peux me permettre de vous faire découvrir, il y a une musique qui s'appelle le foro, et qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on se dit comme idée de la musique brésilienne. Pourquoi ? Parce que la partie dont je parle a été peuplée de gens du Portugal, du Alors Sud. Alors c'est où ça, c'est au Brésil ? C'est Pernambouc, Recife, Fortaleza. Ce sont des Portugais du Sud, pauvres gens, qui ont été, sûrement, saoulés la gueule, emmenés sur des bateaux, sont réveillés en pleine mer, et qui sont devenus des aventuriers de force, quoi. Et ils ont emmené avec eux leur musique. Et cette musique-là a été un peu transformée avec le temps, mais elle vient du sud du Portugal. Et la danse elle-même est une danse du sud du Portugal, un peu comme ça se danse en rond, il n'y a que les hommes, et c'est une espèce de ronde. C'est très beau à voir, un peu comme le sirtaki, si vous voulez, une époque, qui était très beau aussi, parce qu'ils se tiennent droit, comme ça, il y a une espèce de... Ils se tiennent la main. C'est très beau, c'était très beau avant qu'on le danse au Club Med. Oui, quand on le danse au Club Med, ça devient... C'est la danse des canards, oui, ça devient autre chose. Déjà, rien que le Club Med... Et ce qu'ils racontent dedans, c'est des choses très dures. C'est un pays très pauvre, et cette musique est très arabisante. Pourquoi ? Parce que le sud du Portugal, comme vous le savez, a été envahi par les Maures. Donc, vous avez dedans l'influence orientaliste, les harmonies bizarres orientales du quart de ton. Et vous allez voir ce que ça donne. Si on peut écouter le fondateur, le président, je dirais, le plus grand chanteur de foro, Luiz Gonzaga, dans un morceau très connu qui s'appelle Asa Blanca, Aile Blanche, vous allez voir que ça vous rappelle pas du tout de la musique brésilienne, normalement. Asa
uai, porque essa manhã judiação? Eu perguntei a Deus do céu, uai, porque essa manhã judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. No quarto d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. No quarto d'água perdi meu gado, correu de sede meu alazão. E até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Depois eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalha na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. C'est basique, hein, c'est donc Louis Gonzague. Donc si vous voulez, c'est accordéon diatonique. Un triangle, une flûte parfois, pas toujours, un bomba pour faire des basses, une contrebasse parfois, acoustique, et un triangle. Voilà, c'est la base. Et asa blanca, ça veut dire aile blanche, c'est-à-dire que toute la chanson est basée sur le coq de cette basse-cour de ce pauvre mec qui meurt. Donc ça veut dire que le symbole même de ce qui lui restait, c'est mort. Et toute la chanson est basée là-dessus, donc il raconte sa misère du Nord-Est, surtout de ce pays du Pernambouc qui est un désert, hein. Avec très peu d'instruments. Il ne faut pas oublier que ces chanteurs-là étaient des chanteurs de foire. Ils grimpaient sur une caisse de bière, et il y avait ou jouaient eux-mêmes de l'accordéon, ou de la guitare 10 cordes, et chantaient des chansons comme des journalistes, sur la réalité des choses. Donc tous les gens du nord, du nord-est, du Foro, c'est rarement des chansons populaires, d'amour et tout ça. C'est toujours des trucs assez politiques. Et j'aime ça parce que c'est une version que vous venez d'entendre. Je voudrais vous faire écouter un truc plus moderne que j'ai enregistré il y a 3 ans avec La musique n'est pas de moi. Il s'appelle Manassez, il faut le citer. C'est un mec de Fortaleza qui me l'a fait. Et vous allez voir ce que c'est que cette musique moderne maintenant, si on peut l'écouter. Traces au couchant, dans la poussière du soleil, dans le silence du sang d'un voyageur sans sommeil. Il est seul, cerclé de lumière, quelque part, très loin de la mer. Les gens l'appellent Solidan. Il est très dur et très fier, où ses parlers vont brûlant. Il vient de l'intérieur des terres. Marañón et soleil de fer, la chanson est particulière. Thank you.
croiser ce cavalier bardé de cuir et de croix, venu des terres brûlées du Piaoui au Ceará. Ou alors c'était sa légende inventée dans la Sierra Grande. Les colonels sanglants dictent la loi du plus fort. Combien de siècles pourtant sont passés sans un remords, sans un cri, sans un commentaire. Et toujours ce seigneur de guerre. Il est très dur et très fier. C'est par les vents brûlants. Il vient de l'intérieur des terres. Maragnan, les soleils de fer. Ta chanson est particulière. Solidao. Alors c'est l'histoire en fait d'un syndicaliste qui a été assassiné. C'est l'histoire de Chico Mendes, c'est lui quoi. Il s'est fait tuer par des tueurs à gages parce que lui avait mis sur la place publique et avait la tchatche quoi, il avait le charisme pour parler d'un peuple brésilien qui s'appelle les sans-terres, des gens qui n'ont plus d'identité puisqu'ils n'ont plus de maison, donc ils n'ont pas de carte d'identité, ils n'existent plus. Il y a au Brésil des colonnes de gens qui se déplacent du nord au sud, en général, pour trouver du travail, qui marchent à pied au bord des routes, aujourd'hui, hein, et qu'on appelle des sans-terres. Il y a une loi qui s'appelle la loi de posse, de la possession. S'ils arrivent à construire une maison dans la nuit, peu importe une baraque, elle est à eux. Le mec qui a le terrain peut pas les virer. Donc, ils ont toujours des gardiens à cheval pour éviter que ces sans-terres s'installent. Et ils brûlent la maison avant le matin. Ce qui est quand même des lois hallucinantes. Hein. On est bientôt au 21e siècle. Hein. C'est quand même une loi comme ça. Alors quand vous racontez cela, Bernard Lavilliers, on est évidemment impressionné par la volonté que vous avez toujours de témoigner de quelque chose. Et on peut dire de conserver à la chanson le rôle qu'elle a eu pendant longtemps. C'est-à-dire une chanson qui raconte, mais aussi qui raconte l'histoire des pauvres gens, qui raconte l'histoire des déshérités, l'histoire des injustices, en gros, une sorte de chanson de révolte. C'était une grande tradition dans la chanson française, et puis on a l'impression que pendant quelques dizaines d'années, disons jusqu'aux années 70, on avait un petit peu oublié ça, parce que même les chansons de Ferré étaient des chansons plus individualistes quand même. C'était pas de vrais reportages. Tandis que vous avez très souvent, et ça c'est peut-être vos origines aussi, mais en tout cas vous avez très souvent voulu comme ça raconter, témoigner, et ça n'empêche qu'on peut écouter une chanson comme celle-là sans rien connaître à votre histoire, parce que en soi les mots sont beaux et sont poétiques. Elle est faite à deux tiroirs, voilà. Si on connaît l'histoire c'est mieux, si on la connaît pas on l'invente. Chacun d'entre les gens qui sont là, qui connaissent des trucs à moi, ils doivent se faire une idée personnelle de ce que j'ai voulu dire, mais pas forcément exactement. D'ailleurs ça n'a aucune importance, pas plus que moi quand je lis un bouquin. Je sais exactement ce qui s'est passé, j'en sais rien. Et puis, est-ce que c'est vraiment important ? Je crois pas. En tout cas, c'est intéressant sur, disons, la fonction d'un chanteur, la fonction d'un artiste, la fonction de la musique aussi dans une société. Parce qu'il y a une de vos chansons où vous dites
qui est extrêmement pessimiste, vous expliquez effectivement, enfin j'ai pas le texte là sous les yeux, mais je me rappelle que vous dites qu'on peut plus rien être aujourd'hui, sinon une sorte de bête sauvage, et qu'on risque pas de mourir sur un bel accord mineur. Ah, c'est Trafic. C'est Trafic. Ouais, hein, c'est écrit à New York en 80. Ouais. Ah oui, écrit de nuit à New York en 80, après beaucoup de nuits d'insomnie. Et j'ai fini par cracher ce texte, parce que j'arrivais rien à écrire. Ça arrive souvent, j'étais coincé, et j'écrivais avec des conneries. Donc je déchirais, enfin, je trouvais que c'était pas bien. Et au bout du... La fatigue vous donne des fois des ailes, curieusement. Hein. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à trouver cette espèce de côté, de jouer avec les mots. Trafic, vertu, j'aime ou je tue, magique, exclu, hors de ma vue. Parce qu'on était sur un tempo binaire de rock, et qu'il fallait que j'écrive ces mots-là, pour pouvoir faire taper un rock très urbain, qu'on a fait sur deux accords, trois, il y en a peut-être quatre, c'est vraiment riche. Quand il y a quatre accords dans le rock'n'roll, déjà, c'est pratiquement, on se fait virer, quoi. Le premier qui nuance se fait virer. Le rock'n'roll, c'est pas fait pour ça. Alors, les rapports de la rythmique et des mots, c'était aussi quand même une de vos grandes magies. Enfin, je voudrais, puisqu'on a commencé par le Brésil, on est tout de suite rentré dans le vif du sujet. Oui, c'est beau le Brésil. C'est ce que c'est beau, mais ça vous ramène peut-être à vos jeunes années. Qu'on dise simplement un petit mot là-dessus. Bon, il y a effectivement toute une, je dirais pas, c'est une légende dorée ou quelque chose sur toute votre histoire. On l'a souvent raconté, fils d'ouvrier à Saint-Étienne. C'est ça, enfin, vous avez quand même eu de, comment dirais-je, une enfance plutôt dure, non? J'ai eu une enfance assez dure, mais en même temps, d'une part, ça m'a appris assez vite. Bon, j'ai pas eu d'adolescence, si vous voulez. Il y a des gens, ils pataugent dans leur adolescence jusqu'à 40 ans. Hein. Et oui, vous le savez très bien. Et puis ça va, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore pire qu'avant. Bon, alors, est-ce que c'est vraiment un regret de pas avoir d'adolescence? Quand moi, je vois des gens patauger dans leur adolescence, je préfère mon enfance à moi, dans ce cas-là. Je suis passé de l'enfance à l'âge adulte, sans passer par la civilisation, on dirait. Quoi. Comprenez? Un peu comme on dirait des Américains, c'est le seul peuple à être passé de... Oui. De l'âge de pierre à la décomposition sans passer par la civilisation. Mais c'est une phrase sur les Américains qui est assez drôle. Et je trouve que c'est pas si mal de pas avoir été adolescent parce que finalement, j'ai pas eu cette acné qui fait qu'on se prend tout à coup pour un ténébreux et qu'on a des gros problèmes énormes et qu'on va se suicider tous les jours ou tuer tout le monde, quoi. Je suis passé directement dans le vif du sujet. Ce qui fait que j'ai gagné du temps. Alors, est-ce qu'on gagne du temps? C'est ridicule, on gagne jamais du temps, puisque je pense que les animaux n'ont aucune notion du temps. Il n'y a que l'homme qui a une notion du temps. C'est lui qui s'est imposé ça pour s'imposer une espèce de discipline, n'est-ce pas? Donc, il a dit, l'heure fait 60 minutes, et je vais gagner du temps. C'est une erreur. Le temps ne passe pas. C'est nous qui passons devant, que je sache. Le temps, il est immuable depuis que l'homme a inventé le temps. Il reste là, lui. C'est peut-être la seule valeur sûre qui y est. Parce qu'il n'y a pas tellement de monnaie qui résiste à tout ça. Il y a des continents qui se sont séparés. Et finalement, depuis, on traite en millions d'années, donc en milliards de secondes. Mais lui ne change pas. C'est-à-dire que c'est quand même hallucinant que ce soit la seule valeur qui n'ait pas changé. C'est un peu comme quand on a découvert qu'on se tournait autour du soleil. Quoi. Il y a eu un moment, un mec, il a dit, tiens, on tourne autour du soleil. C'est pas lui qui tourne autour de nous. Et le temps, vous avez eu envie de le rythmer tout petit? Parce que je sais que, bon, que votre père était un militant syndicaliste, un résistant, communiste, et vous-même d'ailleurs avez longtemps flirté. Mais oui, mais je flirte toujours avec les communistes. On s'engueule régulièrement, si vous voulez. Bon. Mais ça fait partie de mes amis, oui. Mais je crois que votre père a vraiment été très important et qu'il a forgé toute une partie de votre personnalité. Bah, c'est-à-dire que mon père, il m'a dit des choses très importantes qu'on ne disait pas à des gamins. Une situation, il faut pouvoir avoir une grille de lecture, une analyse politique et une synthèse. Voilà ce que mon père m'a appris. Bon, ben, par rapport à des événements, si on ne veut pas être submergé, il faut effectivement avoir une grille de lecture. Et la bonne, de préférence. Et effectivement, essayer de faire une analyse politique avec ça, et une synthèse, parce qu'autrement, ça ne vous apporte rien. C'est sûr que ça, par rapport à certains événements, ça aide à y voir clair, quoi. Et pourtant, je ne suis pas du tout un dogmatique. Hein, mais c'est une méthode de travail par rapport à des événements précis. Pour le reste, ce serait plutôt un impulsif qui se laisse aller à ses grandes tendances. Je ne suis pas encore un sage en haut de la montagne, on n'est pas l'aise, quoi. Ce n'est pas pour demain. Mais vous chantiez à la maison?
Je chantais. Je crois que votre mère, elle jouait du piano. Ah oui, mais il y a très très longtemps, parce qu'on avait un piano qu'on avait récupéré. Je ne sais pas d'ailleurs comment ce piano est arrivé, enfin peu importe, parce qu'on n'avait pas une thune. Hein. Ils ont un piano droit, bon. Et elle me jouait la valse des regrets, ou elle jouait du Brahms, ma mère. Je me souviens ça. Donc c'est ma mère jouait ça et c'était parti comme ça. Est-ce qu'on peut écouter ça? Vous l'avez là-haut? Ben, la valse des regrets. Vous l'avez pas. On l'a pas. Ben, tant pis. Non, mais ça, on en a d'autres. Hein. C'est pas grave, de toute façon. Mais on l'a chanté, tout le monde l'a reconnu. Oui, je suppose. Pas surtout grâce à vous. Mais attendez, on va parler des musiques que vous entendiez. La bossa nova qui a été une invention brésilienne. Ce que je vous montre là comme musique du Nord-Est, ce n'est pas une invention brésilienne, ce sont les Portugais qui ont amené ça. Non, mais je voudrais, puisqu'on va parler de la bossa nova, ok, simplement que vous nous expliquiez quoi, votre premier voyage, pourquoi est-ce que vous avez commencé en fait cette vie errante, comment est-ce que vous êtes parti au Brésil la première fois? Je suis parti parce que je me suis dit, vous savez, comme quelqu'un aurait pu se dire l'Asie, comme d'autres gens se sont dit, le Tonkin à l'époque où ça s'appelait, avant que ça s'appelle le Vietnam, d'autres gens se sont dit l'Afrique, d'autres gens se sont dit les déserts. D'autres sont devenus marins alors qu'ils étaient nés en Suisse. Je veux dire, j'en connais, hein. Oui, mais c'est pas incompatible. On n'est pas obligé d'être né dans un port pour devenir marin. Non, mais il y a une marine suisse. Je sais bien qu'il y a une marine suisse. C'est la plus drôle de la Terre. Hein. Bien sûr, mais il a raison. Elle sert essentiellement au transport de fond. Bon, bien sûr. D'une rive à l'autre, si on peut dire. Oui, d'un côté à l'autre des berges, du lac Léman. Oui, c'est pour ça qu'ils disent qu'il n'y a pas le feu au lac, oui, sûrement. Oui, il y a une marine suisse transporteur de fond. Pourquoi pas, hein. Et bien, pourquoi je suis parti? Je suis parti parce que il y a eu un moment où j'étouffais complètement dans cette vie d'ouvrier. Et que, évidemment, j'avais envie de partir et tout le monde m'a dit, t'es fou. T'as pas fait pour ça. Parce qu'il y avait aussi, il y a encore un peu aujourd'hui, une morale aussi quand même de la vie ouvrière. Bien sûr. C'est-à-dire d'une certaine façon, il fallait aussi être un bon travailleur, être loyal, être droit. Enfin, il y avait une sorte de morale qui empêchait presque d'être différent des autres, non? Mais vous ne pouviez pas changer de classe sociale. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas changer de fonction. Vous étiez ouvrier, fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier. Je travaillais à la manufacture d'armes de Saint-Étienne à l'époque. Après, j'ai travaillé dans les mines noires. Vous deviez épouser une fille d'ouvrier, je veux dire, c'était même pas imaginable d'épouser quelqu'un d'autre. Déjà, une institutrice, c'était changer de classe sociale. Je veux dire, ça aurait été... Alors, c'était tellement comme ça, pas mes parents, mais je veux dire, l'ambiance, hein, que quand j'en parlais de voyages futurs, c'était comme un mec qui est complètement mytho, qui va... Et puis, je suis parti, puis je suis devenu un artiste. Et puis, finalement, je me suis imposé là-dedans, alors que je chantais pas du tout des choses qui étaient vendables au départ, hein. Et puis tout ça, quand il me revoit maintenant, il se demande qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour changer tellement, alors que moi je me souviens de mes origines, j'en ai pas honte, j'en ferai plutôt un drapeau, moi, j'en ferai plutôt un oriflamme, hein. Je me suis jamais caché, jamais eu honte de mes origines, j'en me suis plutôt servi, j'ai plutôt chanté, mis en avant, parce que j'ai trouvé que le fait d'être un ouvrier, il y en a presque plus, de toute façon, on devient maintenant rarissime, hein, les ouvriers. Ça devient le contraire, c'est l'aristocratie du monde du travail, à la limite. Un ouvrier P3, c'est-à-dire très spécialisé, extrêmement qualifié, il y en a de moins en moins. Il y a beaucoup de bricoleurs, mais pas tellement d'ouvriers. Ils gagnent beaucoup plus qu'un prof de lycée. Ah, il y a des chances, parce qu'ils sont extrêmement rares, mais ouais, vous savez. Ils sont rares. Et des travailleurs manuels, il n'y en a pas beaucoup, réellement. C'est-à-dire, les ouvriers maîtres, vous savez qu'ils n'avaient pas le même bleu que les autres. Ils avaient des bleus fraîchement repassés tous les jours, eux. Et ils partaient un peu avant, ils arrivaient un peu après. C'est avec leur sacoche d'outils personnels. Attendez, c'était des grands seigneurs de la... Fallait pas les mettre en grève, ceux-là, hein, parce qu'ils restaient 6 mois, attention. Hein. Et rien ne marchait s'ils n'étaient pas là, parce que c'était eux qui étaient à l'atelier de... Je veux dire, l'atelier de fabrication d'entretien. Donc, les pièces sur un dessin fait par eux et à l'unité pour réparer les machines. Donc, si l'atelier d'entretien marchait plus, l'usine marchait plus. Et ils étaient tous communistes. Donc, très difficile à gérer comme garçon. Ah là là, mais attention. Et puis, c'est des gens formidables, quoi. Ah ouais, absolument. Alors, le Brésil? Le Brésil est arrivé par... il est arrivé avec l'envie de partir, loin. Et non pas envie de partir au Maroc. Moi, j'avais envie de partir à 10 000 km, au minimum. Ça commence à devenir une séparation. Le cordon ombilical se pète quand vous passez l'équateur. Sans doute. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je me dis qu'après l'Équateur, tout à coup, il y a une section. Le Brésil, je suis arrivé à Rio, je parlais pas un mot de portugais, j'avais pas de travail, je pouvais trouver, parce que j'étais ouvrier, justement,
Mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Je suis devenu camionneur, finalement. Et surtout, cette musique et cette langue et cet endroit, quoi. Et puis Salvador, et puis l'Amazonie. Ben, les choses se font comme ça en voyage. J'avais le temps. J'étais pas parti pour un an, j'étais parti pour toujours, moi. J'étais parti, c'est-à-dire qu'à partir de 19 ans, j'étais parti. Et je suis jamais revenu, si vous voulez. J'ai toujours continué à partir. Pas à fuir, hein, à partir. Donc c'est... Mais pour partir, il faut rentrer, quoi. Parce que vous pouvez pas tout le temps partir. Ok, la terre est ronde. Oui, mais pour pouvoir sortir, il faut être rentré, vous comprenez ce que je veux dire? Si on peut. Si on mais veut. Le problème que j'ai maintenant, c'est que je pars d'ici, je rentre à New York. Je vais partir de New York, je vais rentrer à Rio. Donc j'ai de plus en plus de mal à ne pas rentrer. D'accord. Finalement, maintenant vous pouvez vous acheter un appartement un petit peu partout, donc vous pouvez toujours rentrer chez vous, mais vous préférez vivre dans les hôtels. Oui, parce que si j'achète un appartement, je sais, ou une maison, ça m'est déjà arrivé, je ne vis jamais dedans. D'accord. Donc je suis content d'avoir acheté, ça me fait plaisir, parce que je la loue à des gens ou je la prête. Mais moi, j'y mets jamais les pieds. C'est incroyable. Alors que je peux y aller avant si elle appartient à un ami. Ça m'est déjà arrivé avec des maisons, d'aller très souvent voir mes amis, dans cette maison que j'ai d'ailleurs dans le Périgord, et je l'ai acheté, et depuis, j'y vais plus. Donc, c'est quand même... Il doit y avoir une espèce de... Je sais pas. C'est bizarre, hein? Oui, oui, mais derrière le vaudou qui doit être sur moi. C'est vrai. Alors, on va parler de la bossa nova. Ah oui, ça, c'est un grand sujet. Parce qu'évidemment, c'est quand même le grand sujet. Alors, la bossa nova, vous la découvrez à cette époque-là, j'imagine, évidemment, en arrivant au Brésil. Et c'est une musique qui n'est même pas très vieille pour les Brésiliens. 60. Ah oui. On a toujours l'impression que c'est la musique éternelle du Brésil, la bossa nova, mais pas du tout. 60. João Gilberto et Tom Jobim, toute une autre équipe aussi, il n'y avait pas qu'eux, mais disons, les deux principaux, c'est eux, inventent la bossa nova dans des petits bars de Rio dans les années 60. Et tout de suite, cette musique marche. C'est assez curieux, d'ailleurs. Hein. Et tout de suite, elle devient mondiale. Et tout de suite, elle devient des standards de jazz. Parce que les jazzmen s'intéressent beaucoup à ce tempo particulier qu'est la bossa nova. Et les harmonies de la bossa nova sont très proches des harmonies du jazz. Donc, ils les jazzifient comme ils veulent, eux, en plus. Donc, on a Stan Getz, évidemment, tout de suite, qui se met dessus. Mais beaucoup d'autres. Je connais pas de disque de jazz où il n'y ait pas un petit standard brésilien dans un coin. C'est extrêmement rare. Et surtout dans les années 60. Donc, mais il faut pas oublier que ce sont des chansons populaires avant d'être des musiques instrumentales. Et comment est-ce que vous pourriez essayer d'expliquer, disons, le raffinement de la bossa nova? Parce que si ça marche, c'est quand même, c'est une musique qui ne ressemble à aucune autre. Aucune autre, c'est très raffiné. Sur le plan rythmique, mais aussi la manière même de chanter très doucement. Ouais. C'était autre chose, quoi. On n'avait jamais fait ça. Jamais fait ça. Chanter aussi près du micro, comme ça. Pas plus fort, parce que si vous chantez plus fort, ça détruit l'harmonie de la bossa nova. Jouer de la guitare, pas fort non plus, curieusement. Mais avec un tempo extrêmement complexe, croyez-moi, à jouer à la guitare. Et des harmonies tout à fait dissonantes par rapport à la mélodie. Mais vraiment, ça va même très loin, des fois, au niveau de la dissonance. Et pour donner un exemple de ça, donc il y a un balancement avec le pouce, qui est complètement au contraire de ce que vous faites avec les autres doigts. Et puis quelques petits contre-champs avec certains doigts, pas tous. Et des accords ouverts ou des accords très compliqués. Et surtout des suites d'harmonie que personne n'a jamais utilisées dans la chanson, soyons clairs, avant. Jamais. Et cette voix de João Gilberto, on va l'écouter là. Desafinado, ça veut dire désaccordé, c'est une histoire d'amour, désaccordé. C'est très beau d'ailleurs, desafinado, parce qu'en portugais, accordé, ça veut dire affiné. C'est beau. Desafinado, désaffiné, désaccordé. C'est plus joli qu'accordé, je trouve. Affiné, ça veut déjà dire autre chose. Parce que c'est vrai qu'on accorde dans une guitare... Chacun à sa façon. C'est sûr qu'il faut qu'elle soit juste. Mais ça dépend comment vous tirez sur les cordes. Et si vous avez des mains puissantes que moi, vous accordez pas la même chose qu'une classique qui a joué avec un pied sur un tabouret du Fernando Sor. On va pas accorder de la même façon. Il faut des cordes un peu plus solides, si vous voulez. Et cette chanson, vous allez voir les harmonies qu'il y a et comment ils chantent pas fort, surtout. C'est ça que j'adore, moi. J'adore Saint-Paul, my love. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto me provoca imensa dor. Uns ó privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu bom
comportamento de antimusical. Eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex e revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate o coração. Finado par John Gilberto, un enregistrement très, très ancien. Mais quand on écoute cette musique, ce qui est impressionnant, c'est que finalement, le travail sur les décalages est absolument permanent. Oui. Et c'est marrant parce que dans la musique, disons, la plus contemporaine, on travaille beaucoup sur ces idées de décalage. Alors, on aime bien les théoriser, on en fait des choses comme ça, très, très sophistiquées, voire un peu arrogantes. Et on s'aperçoit que des chanteurs comme ce chanteur brésilien, font ça tout à fait, je dirais pas naturellement, parce que c'est magnifiquement travaillé, mais le rapport entre le texte, le mot, le décalage, le rythme qui continue, qui s'arrête un peu, la dissonance aussi qui prend tout d'un coup une espèce de sens de l'inquiétude, et puis l'apparente simplicité totale de la chose est complètement époustouflant. Une apparente simplicité. Oui. Parce que moi, je prendrais un guitariste, pour l'engager, je vais lui faire jouer ça pour voir s'il y arrive. Et correctement, je vous assure que c'est vraiment, au niveau guitaristique, c'est quand même trapu. Hein, parce qu'il n'y a pas deux, des fois il y a même deux accords par temps. Donc, faut pas rigoler. Je veux dire, au niveau harmonique, c'est magnifique. C'est difficile à jouer même. Ouais. Et puis ce balancement. Et vous arriveriez aujourd'hui chez Pascal Naigh, patron de Polygramme Universal, avec cette chanson, vous vous faites jeter tout de suite. Sans aucun doute. Ça ne viendrait pas à l'idée à quelqu'un de vous produire
une mélodie aussi complexe, avec une chanson aussi bizarre. Et alors que c'est un tube mondial. C'est pour cette raison que je voulais vous le passer, parce que c'est formidable que dans les années 60, il y a eu un tube mondial, que tout le monde connaît, alors qu'aujourd'hui, ça ne serait même pas pensable, parce que personne ne mettrait $1 sur votre chanson. Il dirait qu'il est fou, ce mec. Il faut qu'il se fasse soigner, on ne fait pas une chanson comme ça. Aujourd'hui, c'est impensable. Si vous avez plus de 3 accords, déjà, vous regarde de travers, le mec. Donc, moi, je suis bien placé pour vous savoir. Hein. Je vais vous jouer autre chose, moi. J'avais prévu quelque chose, mais je vais faire autre chose. Oui, mais on entend un petit Chico Buarque avant. Ah, la version originale. Oui, parce que j'avais envie qu'on parle. Ah, la version originale. Parce génial. Que... C'est quand même à ce moment-là que vous êtes tombé amoureux de ces rythmes-là. Parce que j'imagine que ça doit faire quand même un sacré choc de culture de sortir de Saint-Étienne et puis d'aller entendre de la bossa nova. Ah, de sortir de Saint-Étienne et d'arriver à Salvador, déjà, c'est un choc culturel, croyez-moi. Les gens marchent avec des doigts de pied en éventail, vous voyez, pas très vite. Ils travaillent pas beaucoup non plus. Ils font quand même pas le même temps, vous voyez ce que je veux dire. Les filles sont sublimes et toujours très aguichantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, disons qu'il y a une sorte... Les maisons ont des couleurs roses, rose tyrien, vert...